Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Nous sommes très très heureux de vous souhaiter la bienvenue sur la 5. Merci d'avoir allumé votre téléviseur, merci d'avoir ouvert votre maison et nous l'espérons, votre cœur à la 5. La 5 est une nouvelle télévision, une télévision de spectacle pleine d'optimisme, de rythme, de lumière, de joie, une télévision pour des loisirs sereins et heureux. La 5, c'est une chaîne de plus, donc une chance en plus, ce qui n'enlève rien aux autres, bien au contraire. La 5, c'est un choix supplémentaire, un choix qui existe là, maintenant, depuis quelques secondes. La 5 est entièrement gratuite et financée par la publicité. La publicité qui sera émise 6 minutes par heure, ce qui veut dire 10% de publicité et 90% de spectacles. Des spectacles que nous espérons toujours plus nouveaux, plus beaux et plus passionnants. La 5, nous l'espérons également, deviendra votre compagnon de tous les jours. Une télévision amie, un rendez-vous quotidien, mais un rendez-vous également pour demain, pour après-demain et pour toujours. Nous ne sommes pas seuls sur la 5. À part les ballets de la 5, à part l'orchestre de la 5, il y a déjà sur la 5 un équipage. Et comme toute équipe qui se respecte et qui a envie de gagner avec vous, eh bien, cette équipe est composée de 11 joueurs, 11 amis. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, nous sommes très heureux de vous présenter maintenant les visages de la 5, l'équipe de la 5. Elisabeth Torsman, la plus dynamique des animatrices. Olivier de Kersauzon, le poulain de la 5 pour l'aventure, l'aventure aux aventuriers. Alain Gillot-Pétré, le journaliste le plus tiffonné de la 5, le seul capable de dire « Arrivé d'air chaud » à la place de « Bonjour ». Antoine Verglas, jusqu'à présent, son nom n'était connu que des cartes météo. Désormais, il fera partager aux jeunes de son âge le plaisir de la musique sur la 5. Hubert Auriol, il a gagné deux Paris-Dakar, il gagnera son pari sur la 5. Alexandre Balou, il sera sur la 5, celui qui vous donnera chaque semaine le spectacle de la vie. Guillaume Durand, le journaliste des records et des événements sportifs, avec le grand show de la 5. Michel Legrand, l'homme qui nous a fait tous rêver avec ses grandes musiques de film. Vous avez annoncé 11 personnes pour l'équipe de la 5 et nous ne sommes que 10. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que la personne qui manque, c'est une personne que je connais bien, que tu connais encore mieux que moi. Mais oui, c'est une personne qui est très mystérieuse et j'ai le sentiment qu'elle ne fera durer le suspense et qu'elle n'arrivera que vers le milieu de cette émission.
Bon, enfin, toujours est-il qu'il n'y a pas que l'équipe de la 5 ce soir. Il y a beaucoup, beaucoup d'invités qui sont des amis de la 5, qui sont vos amis. Des amis qui sont venus sur la 5 ce soir. Vous souhaitez, nous souhaiter bonne chance et bon voyage. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce soir sur la 5, Charles Aznavour. Je suis heureux de déclarer officiellement ouvert la 5. Comment ? Chanter ? Vous voulez me faire chanter, moi ? Bon, ce soir, voyons, c'est un grand soir de première. Milly Carlucci. Il y a deux choses au monde que j'aime. La 5 et la 5. Johnny Hallyday. Après avoir vécu la grande aventure du rock'n'roll, je suis très heureux de participer à la grande aventure de la 5. Bonne chance, la 5. Nadia Cassini. Je suis venue ici exprès pour te dire je t'aime, la 5. Sting. Bonne chance à la 5. Le commissaire Derrick. La 5 a toujours un alibi parfait. Sylvie Vartan. Je suis heureuse d'être une des marraines de ce grand lancement. Merci Silvio et bonne envolée la 5. Eros Ramazzotti. La 5, une histoire importante. Celeste Johnson. In the States, we say, go for it, la 5. Ugo Tognazzi. Larry Gershman, président de la Metro-Goldwyn-Mayer. Bonne chance à la 5. From me, from Metro-Goldwyn-Mayer, from all of your American friends, on this, the beginning of a new, fantastic French and European adventure. Henri Salvador. Eh bien, je suis très heureux de participer au premier pas de la 5. Carmen Russo. Ce soir, je donne le cœur la 5. Jean-Luc Lahaye. Bonne chance à la 5. Enrico Chez nous, les Méditerranéens, le chiffre 5 est un chiffre porte-bonheur. Alors, mon cher Silvio, 5 pour la 5. Propaganda! Wir sind sehr froh, die Gelegenheit zu haben, die ersten Schritte mit dem europäischen Fernsehen La 5 durchführen zu können. Vive la 5! Patrick Sébastien! Bonsoir et bonne chance à la 5. Et surtout, merci. Merci, Silvio, pour tout le plaisir qu'on va avoir dans les mois qui vont venir. Parce que moi, je sais qu'avec deux fois plus de qualité qu'ailleurs, et trois fois plus de belles filles, je m'y connais. La 5, ça va être super. 5, moins 2. Allez, 5. Robert Palmer. Good luck, la 5. Catherine Lara. Ce soir, nuit magique avec la 5. Richard Kleberman. Je suis très heureux de faire partie de la grande famille de la 5. Ornella Muti. J'ai un message pour tous mes amoureux. Il faut que vous aimiez la 5. Rudolf Nureyev. Bonne chance à la 5. Michel Platini. Je suis très fier de jouer ce soir sur le terrain de la 5. Michel Berger. Eh bien, je suis très heureux ce soir de faire partie de la grande famille de la 5. Serge Gainsbourg. La 5, c'est classieux. Michel Sardou. Tous les artistes voudraient un début comme le tien. Bravo la 5. Et Mireille Mathieu. Je suis ravie de chanter ce soir sur la 5. Nous tenons à remercier tous les artistes qui vont participer à cette grande soirée, mais nous tenons également à remercier tous les amis qui nous ont soutenus, tous ceux qui ont manifesté leur sympathie, tant par téléphone que par lettre, que par télégramme, que par téléx, de France, d'Europe, du monde entier. Vraiment, sincèrement, de la part de la 5, merci. Ce soir, le monde de la télévision est en fête. Plusieurs chaînes de télévision du monde entier nous ont envoyé leurs vœux et certaines nous les ont envoyées en images. Bonsoir.
Bonsoir. Je suis Chris Carroll. Et je suis Paul Farmer. Ensemble, nous présentons le journal et le bulletin d'information du soir de CNN, ici de notre siège d'Atlanta. Nous voulons souhaiter à la nouvelle chaîne française La 5 beaucoup de chance et de succès. Bonsoir. Bienvenue à Twilight Zone. CBS est heureux de voir sa nouvelle série paraître sur le premier émetteur privé français. Nous tous ici de Twilight Zone, nous nous joignons à nos collègues de CBS pour féliciter La 5 et lui souhaiter plusieurs années de succès. Bonne chance, La 5. Bonjour La 5, je m'appelle Shin Eun-kyung, speakerine de la KBS. Ayant appris la naissance de votre station de télévision, je suis très heureuse de vous adresser au nom des 8000 personnes de ma société un message de félicitations. Bonjour tout le monde et salut tous les téléspectateurs françaises et français, je suis pas sexiste, et spécialement mes amis Jérôme Sédoux, Silvio Berlusconi, et la nouvelle chaîne 5. Nous vous souhaitons, tous les artistes, tous les techniciens de Thames Television, vous souhaitent un grand succès avec la nouvelle chaîne 5. Salut, vive la 5! La Rede Globo de televisão du Brésil salue La 5, le premier réseau de télévision ouvert privé de la France, en lui souhaitant le plus grand succès et que son exemple soit un encouragement pour toute l'Europe. Hola, amigos de La 5, aos nossos melhores desejos desde TV3, Televisão de Catalunha. Mes très chers amis de La 5, on vous souhaite la bienvenue à travers TV3, la télévision autonomique de la Catalogne. Vous êtes au premier jour d'émission. Et nous croyons que la meilleure façon de commencer notre amitié, c'est en vous offrant notre plus jeune sourire. Voilà. ABC News are uniquely qualified to bring you the world. I'm Peter Jennings for ABC News in New York, and it gives me great pleasure to congratulate La 5 on its first day of broadcasting, l'occasion de sa première journée de télédiffusion. Les nouvelles et les informations sont importantes pour tout le monde, dans tous les pays, et La 5 représente encore une autre source de télévision dans un des pays le plus important de l'Europe. Du fait que La 5 est le premier réseau commercial et indépendant de la France, la diffusion des nouvelles et des informations par La 5 est encore plus important. Very significant. Il faut ajouter à tous ces messages que nos amis d'Antenne 2 nous ont envoyé un très gentil télégramme, que ceux des Fer 3 nous ont fait parvenir un texte fort sympathique et que nos amis de Canal Plus viennent de nous envoyer une carte de visite très très gentille. Et TF1? TF1, rien du tout. Comment TF1, rien du tout? Mais enfin, c'est pas possible. Et moi? Mais qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Oh! Alors, en plus, je peux remarquer, je suis le seul à descendre l'escalier sans regarder mes pieds. Ça, c'est vrai. C'est vrai que c'est une performance. Ça, c'est vrai. Impeccable, et sans tomber. Et sans tomber. Bah, écoutez, Hervé Bourges m'a délégué pour présenter à La 5 ses meilleurs voeux. Voilà. C'est gentil, ça, c'est très gentil. Je sais pas comment vous faites tous les deux pour avoir des deux papillons qui tiennent droit comme ça. Il y a un truc très simple. On va te le dire, tu pourras le faire. On met de l'adhésif double côté. Ah, c'est pas bête, ça. Et comme ça, faut que j'étudie le truc. J'ai un petit cadeau pour vous. Ah. C'est qu'à TF1, on n'a plus tellement de moyens. Mais Hervé Bourges a tenu à confectionner lui-même un gâteau. Il y a passé tout le week-end. Et ce sera le gâteau qui fêtera la naissance de La 5. Et il n'est pas présenté par n'importe qui. Regardez. Ah. Yeah.
Mon cher Roger, mon cher Christian, merci. Meilleur, je vais te débarrasser. Merci. Mets-le dans la loge. Allez, merci un beaucoup. De ces quatre. Alors, eh oh. Quoi, oh. Attends, on est en train de signer les contrats pour la 5 avec les Coco Girls. Mais on rentre à la maison, là, mais on rentre à la maison. Mais on rentre à la maison. Roger, mais on rentre tout de suite à la maison. Mais t'aurais pu nous en laisser une ou deux. Non, écoutez, au moins une chacun. D'abord, si vous saviez ce que ça coûte. Je pense qu'on n'avait pas les moyens. Mais si. Et en plus, une belle amitié virile comme ça. Vous faites pas un beau couple tous les deux? Allez. Il a peut-être pas tort. Oui. Oui, mais enfin, nous, comme ça, maintenant, on se retrouve sans rien. Mais si, Christian. On a un invité très important encore. Ah, mais oui, effectivement, oui, 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 oui. Eh oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour la première fois sur la 5, la publicité. C'est votre première page de publicité sur la 5? Oui, oui. Bah, j'espère pour vous que ça va pas être la dernière. Voilà, c'était la première page de publicité, belle et brève, comme vous l'avez vu. La 5 tient toujours ses promesses et va vous offrir de très très beaux programmes. Derrière nous, la grille de ces programmes, justement, 28 écrans, 4 par jour, 1 pour chaque heure d'émission. Et comme il faut une logique à toute chose, les programmes démarrent le lundi, et le lundi, sur la 5, ça débute à 19h30 avec une émission distrayante, excitante, amusante, une émission de jeu, C'est beau la vie, présentée par Alain Gillot-Pétré. Bonsoir Alain. Alain, très grande responsabilité, c'est vous qui allez ouvrir la grille de la 5. C'est une énorme responsabilité. Une énorme responsabilité parce que figurez-vous que c'est une énorme production. Même pif, une production picote. Tous les lundis, les mardis, les mercredis, les jeudis, les vendredis, de 19h30 à 20h30, C'est beau la vie, animé par moi-même. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que C'est beau la vie? Eh bien, c'est une émission jeu, très distrayante, il l'a déjà dit, très amusante. Il va le dire aussi, c'est pas un problème. Ça consiste en quoi? C'est basé sur des enquêtes d'opinion. Votre opinion, d'ailleurs, vous répéterez tout ça lors de la première émission, vous avez qu'à regarder demain, c'est pas un problème non plus. Des enquêtes d'opinion des enfants, des femmes, des enfants, des vieux, des jeunes, des maris, des femmes mariées, avec poisson rouge, sans poisson rouge, tout ce que vous voulez. C'est une très bonne émission, je peux vous le dire, parce que c'est pas moi qui l'ai créée. Je me fais simplement le plaisir de vous la présenter, et c'est donc tous les jours sur la 5. Avec ça, vous pourrez vous faire, et là je redeviens un peu sérieux, vous pourrez vous faire un autoportrait de ce que vous êtes, de ce qu'ils sont, de ce que nous sommes, de ce que je suis. Voilà. Voilà. Vous allez voir maintenant les premières images de la 5. Et avec Alain Gillot-Pétré, une chose est certaine, c'est qu'avec vous, Alain, c'est bon la vie! Tous les jours, vous avez rendez-vous avec C'est beau la vie, du lundi au vendredi à 19h30 sur la 5. C'est beau la vie vous attend avec un beau temps, animé par Alain Gillot-Pétré, du lundi au vendredi à 19h30. C'est beau la vie, un jeu, un baromètre amusant qui vous fera connaître les opinions, les préférences des Français. C'est beau la vie, tous les jours du lundi au vendredi à 19h30 sur la 5, votre nouvel ami. Après la fièvre du samedi soir, la température continue de monter sur la 5. C'est la fièvre sur la 5 avec Milly Carlucci. Ravie de vous recevoir. Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. Mais je suis vraiment désolée. Parce que c'est dommage, mais je ne parlais pas bien français. Écoutez, vous parlez suffisamment bien pour que nous vous comprenions. Et de toute manière, votre présence nous suffit. Non, mais je voudrais dire beaucoup de choses. Je voudrais dire que je suis
Comment dit-on en français emozionato? Ému. Ému. Je suis ému et j'ai un petit peu les trac et ça me donne les frissons, en français. Je comprends, oui. Et parce que j'aime beaucoup les hommes Je peux comprendre, aux yeux bleus, qui sont très charmants. Oui. Qui ont du rythme. Du rythme dans la... Qui sont tombeurs de femmes, vous savez, Jean Travolta. Il est magnifique, il est charmant, il est superbe. Jean Travolta. Il est unique. Ah, il est unique, Jean Travolta. Est unique. Mais non, il n'est pas unique. Alors non. Moi, vraiment, je ne pense pas qu'il soit unique. Bravo. Écoutez, je me suis arrêté juste à la première leçon et oui. Je n'ai pas vraiment ce n'est pas votre genre. Ce n'est pas mon genre. Non. Vous êtes différent. Vous n'êtes pas comme Jean Travolta. Non. Vous êtes romantique. Oui. Vous êtes très classique. Oh oui. Pour vous, c'est mieux. Vous vous rappelez de Casablanca, les films très célèbres avec... Ah oui, avec bien sûr, Casablanca. Humphrey Bogart. Ah oui. Eh oui. Très classique. Très charmant aussi. Oui. C'est plus mon genre. Oui. Ah oui. Et As Time Goes By, la chanson. Ah oui, super. Oui. C'est pour vous. Oh, merci. Casablanca, Milly Carlucci. Still the same old story, a fight for love and glory, a kiss, a do or die. The world will always.
Après la cinquième dimension, nous entrons maintenant dans une dimension que nous n'avions pas encore explorée, la dimension du rock'n'roll, avec un monsieur Johnny Hallyday. Bonsoir, Johnny. Bonsoir, comment va? Dis-moi une chose. Comment se chiama la belle ragazzina qui est passata prima, là? Là? La belle ragazzina. Milly Carlucci. Ah, che bella. Milly Carlucci. Mm. Très embêtant. Vous ne parlez pas du tout italien. Ah, non parle italien, non. Solamente francese. Non parle francese. Ça non capisce. Non, je parle pas du tout français. Ça commence bien. En régie, on m'entend, là. David, si on pouvait me faire amener quelqu'un pour traduire, s'il vous plaît. Oui, merci. Merci beaucoup. Sì, sono molto felice di cantare qui oggi per la 5. Johnny Hallyday dit qu'il est très fier et très heureux de chanter aujourd'hui sur la 5. È una meravigliosa fotografia. Que la lumière est très jolie sur ce gala. Una bella luce. Une très belle lumière et une très belle photographie, oui, c'est ça. Un molto elegante presentatore, molto gentile. Un présentateur très élégant et très gentil, oui. Et il voudrait cantare la mia canzone per tutti. Il voudrait chanter une chanson pour tout le monde. Et voudrait la cantare in italiano, si. Et il voudrait chanter et annoncer cette chanson en italien. Est possible? Si. Merci. Quelque chose de Tennessee. Johnny Hallyday! Il faut qu'une main posée sur votre épaule vous pousse vers la vie. Cette main tendre et légère. On a tous quelque chose en nous de Tennessee, cette volonté de prolonger la nuit, ce désir fou de vivre une autre vie, ce rêve en nous avec ses mots à lui, quelque chose de Tennessee. Cette force qui nous pousse vers l'infini. Y a peu d'amour avec tellement d'envie. Si peu d'amour avec tellement de bruit. Quelque chose en nous de Tennessee. Ainsi vivait Tennessee, le cœur en fièvre et le corps démoli, avec cette formidable envie de vie, ce rêve en nous c'était son cri à lui, quelque chose de Tennessee. Étoile qui s'éteint dans la nuit, à l'heure où d'autres s'aiment à la folie, sans un éclat de voix et sans un bruit, sans un seul amour, sans un seul ami, ainsi disparu Tennessee. Certaines heures de la nuit, quand le cœur de la ville s'est endormi, il flotte un sentiment comme une envie. Oh, ce rêve en nous avec ses mots à lui, quelque chose de Tennessee. Thank you.
que le lundi est superstar, le mardi, lui, est entièrement consacré à l'aventure et au fantastique. Mais voyons tout d'abord, comme d'habitude, ce que nous réserve Alain Gillot-Pétré dans « C'est beau la vie ». C'est l'émission des malvoyants. C'est beau la vie quand même. Nous accueillons maintenant une artiste qui n'était pas revenue en France depuis le feuilleton Les Beaux Quartiers de Aragon. Voici Nadia Cassini. Bonsoir Nadia. Nadia est une star aux États-Unis, showgirl, danseuse, chanteuse, mais elle a aussi une réputation due à son charme et à sa séduction, n'est-ce pas Nadia? Non, Christian. Surtout, je suis très célèbre pour rendre fou de moi tous les présentateurs de la télévision. Oui, ça va faire plaisir à ma femme. Bonsoir chérie. Ça va, vous vous sentez bien, Nadia? Ah, très bien. Et enfin, vous? Oui, je veux parler de la soirée, n'est-ce pas? Ah, de la soirée? Oui. Ah, c'est fantastique. J'ai l'impression d'être aux Oscars. Je n'aurais jamais pensé de retourner en France dans une occasion pareille. Vous avez apporté un petit cadeau pour la 5? Non. Non, c'est la 5 qui m'a fait un merveilleux cadeau. Elle m'a donné la possibilité de réaliser un de plus beau, de plus fantastique, de plus merveilleux ballet que j'ai fait dans ma vie. C'est exact. En voici la preuve. 1, 2, 3, 4. Merci. Merci. Vous pensez faire beaucoup mieux que ça, Nadia? Ah, mieux que ça? Oui. Ou peut-être un tout petit peu, tu sais, merci. Je ne sais pas. Je me flatte beaucoup. Enfin, c'est le public qui va juger de toute façon. Voici maintenant Nadia Cassini dans son ballet Alléluia. Nadia. Vive le sang. Oh,
Nous accueillons maintenant une très grande star de la chanson. Voici Michel Sardou. Bonsoir Michel. Bonsoir. J'aimerais que tu nous parles de tes origines italiennes, c'est vrai? Oui, c'est vrai, mais enfin, c'est très très vieux, tu sais, ça remonte au moins à Caligula. Rapproche un peu. Oui, ça va faire une tranche de vie. C'est-à-dire qu'en fait, du côté de ma mère, quelque part, il y a eu un homme assez célèbre qui a passé le Rubicon, mais oui, dans l'autre sens. Ah d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, et puis, puis il a disparu. Bien, alors je suppose que tu nous as apporté un petit cadeau pour la 5. Bah, je vais lui souhaiter la bienvenue à cette 5. Et puis, comme cadeau, je vais te faire un petit compliment en italien. En italien? Oui. Et puis, ce petit compliment, je vais l'adresser à notre président de la République. Merci beaucoup. Parce que le président, il doit être assis sur son fauteuil devant sa télé, comme vous tous ce soir, parce qu'il faut bien le reconnaître, finalement, c'est lui qui l'a voulu, cette cinquième chaîne. Il s'est battu pour l'avoir, pour l'imposer. Et c'est pas facile, tu sais, même quand on est président de la République, d'imposer une cinquième chaîne. Tu en as entendu parler, peut-être. Et puis, ce soir, quelle leçon pour notre cohabitation future, puisque vous avez remarqué, mesdames et messieurs, depuis le début de cette émission, et jusqu'à la fin, et Dieu sait si elle dure longtemps, à part Catherine Lara, et encore, c'est pas sûr, il n'y a absolument aucun chanteur de gauche. Merci, monsieur le président de la République. Alors, il y a une chose qui me frappe beaucoup, c'est extraordinaire, mais tu n'as pas perdu l'accent italien, pas du tout. Pardon? Je dis, tu n'as pas perdu l'accent italien. Excuse-moi, je ne parle pas du tout français. Mesdames et messieurs, voici Michel Sardou. En 1965, je me souviens d'une chanson et de deux anneaux d'or que nous portons encore et d'un petit garçon. 1965, je ne me souviens pas bien qui de nous deux partait la mort de mon chien. Quelques années plus tard, on apprenait un soir qu'un chêne était brisé, qu'il n'avait pas plié, qu'il entrait dans l'histoire. 1900 juste après, je me souviens très bien la couleur des volets, les parfums du jardin. En 1970, je me souviens d'avril, une femme aux yeux clairs, un voyage aux enfers, une année difficile. 1970, c'est la première fissure, l'avocat, le palais et les lettres d'injure. En 1976, c'est la mort de mon père et cette impression folle que ses dernières paroles n'étaient pas les dernières. 1980 et les années qui suivent, c'est la fuite en avant, le combat délirant des plus forts qui survivent.
1965, je me souviens d'une chanson et de deux anneaux d'or que nous portons encore et d'un petit garçon. Après Michel Sardou, l'homme qui réussit l'aventure dans la vie comme dans le monde du spectacle, Jonathan. Jonathan, c'est votre rendez-vous du mardi soir avec l'aventure et avec la nature. Jonathan, c'est une émission riche d'émotions, riche de surprises et riche d'images. Et les bonnes images parlent souvent d'elles-mêmes. Jonathan, c'est votre rendez-vous du mardi soir à 22h30 avec Olivier de Kersauzon sur la 5. Jonathan. Le rendez-vous hebdomadaire avec l'aventure et la nature, réalisé par les équipes de la 5 dans les endroits les plus étonnants du monde. Ceux où le droit de savourer la beauté ne se conquiert qu'à force de courage, d'ardeur et de sacrifice. Jonathan est le spectacle pour ceux qui veulent voler toujours plus haut, pour ceux qui veulent se mesurer avec les difficultés toujours plus grandes. Un exemple pour les jeunes, une leçon de courage pour tous. Maintenant, nous allons aller au Venezuela, dans le nord de l'Amérique du Sud, en pays tropical humide, ici, pour accompagner une expédition anglaise qui est allée pour faire l'approche et l'escalade des cascades les plus hautes du monde, appelées le Saut Angel. Un Italien, cependant, a découvert qu'il y avait des cascades plus hautes et il en a ramené les photos que vous allez voir. Mais ces cascades n'ont pas encore été exactement mesurées. On pense que la cascade la plus haute du monde n'est pas la cascade la plus haute. Et Jonathan a suivi la gendarmerie française et les hélicoptères pendant près de 30 sauvetages et 30 interventions. 30 interventions qui démontrent à chaque fois à quel point le métier de gendarme de haute montagne est un joli métier d'aventure, de technique et de risque. Russians.
Ici, à la 5, le mercredi nous offre le cadeau du plaisir subtil de l'intrigue. Passion sans limite, un policier un petit peu flegmatique, infaillible, des scoops fantastiques, enfin, du jamais vu en France. Mais, le mercredi ne serait pas le mercredi du tout s'il n'y avait pas, bien sûr, Gilles Lopétré qui l'inaugure avec « C'est beau, la vie ». Qui a dit que les prévisions météo de la 5 n'étaient pas les plus fiables du monde? C'est une lamentable et triste calomnie. En effet, non seulement elles sont exactes, mais en plus, au goût du public. Excusez-moi. Pronto? Allô? Oui, madame. Météo 5? Oui, madame. Ah, écoutez, nous avons du soleil à 25 contre 1, des nuages à 12 contre 1, de la pluie à 2 contre 1 et de la neige à 0 contre 1. Oh, bah, moi, si j'étais vous, je prendrais plutôt le soleil, vu le temps qu'il fait. C'est pas un problème. Oui, madame. 50 francs. Un peu plus, madame, ne soyez pas radine. 2000 francs. Mais bien entendu, madame. C'est noté, pas de problème. 2000 francs, du soleil à 25 contre 1. Une bonne affaire, absolument. Oui, madame. Au revoir, madame. Elle va passer sur une autre chaîne, mais tant pis, c'est beau la vie quand même. Après les intrigues, les hypocrisies et les amours de Flamingo Road, nous allons renvoyer la balle maintenant à un bon inspecteur de police pour savoir comment lui résout ses propres problèmes. Voici maintenant l'inspecteur Derrick. Bonsoir, bonsoir Roger. Bonsoir inspecteur. Roger, kennen Sie jemanden von der Sûreté? Ich habe einen Strafzettel bekommen. L'inspecteur Derrick a un problème. Il demande déjà si je connais quelqu'un de la police française. Pourquoi? Ich habe meinen Wagen falsch geparkt, wissen Sie, also in der Eile und der Hast, rechtzeitig hier zur Gala zu kommen, ist es verständlich, natürlich. Traduction, l'inspecteur a pris un PV devant la porte. Il était garé en double file devant la porte et il a pris un PV. C'est assez extraordinaire quand même. Un inspecteur de police qui prend un PV. Ja, nun, das ist schon sehr, sehr schwierig. Das gehört ja hier nicht zu meinem Aufgabenbereich. Das geht gar nicht. Alors, traduction, l'inspecteur n'est pas dans sa juridiction. Est-ce qu'il prouve bien que, hey, même un inspecteur de police, ça peut prendre un PV? Voilà. Inspecteur, est-ce que vous êtes un policier cynique comme Callaghan, par exemple? Non. Besser wäre Maigret. Maigret, ein Neffe. Von Maigret, un deutscher Neffe von Maigret. L'inspecteur se considère, lui, plutôt comme un inspecteur Maigret, un neveu de Maigret, le neveu allemand de l'inspecteur Maigret. Quel est votre plus grand succès? Oh, dem Erfolg, die Handschellen anzulegen. Nach den Einschaltergebnissen der Sender kann ich mich zu dem beliebtesten Kriminalinspektor Europas zählen. Pardon. Le plus grand succès, la plus belle arrestation de l'inspecteur Derrick, c'est d'avoir passé les menottes au succès. C'est sa plus belle arrestation et il le prouve puisque sur les sondages de toutes les télévisions, eh bien, on s'aperçoit que l'inspecteur Derrick est l'inspecteur le plus aimé d'Europe. Un jeune chanteur est entré il n'y a pas si longtemps dans tous les hit-parades européens. Il nous arrive tout auréolé du Festival de la chanson de Sanremo. Je vous demande d'applaudir maintenant Eros Ramazzotti. Quello che dice
ci basta più. Vogliamo spazio per andare avanti. Vogliamo onestà. Cuori agitati nel vento, un po' arrabbiati perché in questo immobile tempo ognuno pensa per sé. Cuori agitati saremo, cuori agitati saremo. Eros Ramazzotti, qui avait fait un bon succès chez nous avec Una Storia Importante, justement à propos d'histoires importantes, eh bien, il y a la science avec ses secrets, avec ses mystères. Et sur la 5, l'homme qui a la clé pour les résoudre, c'est Alexandre Balou qui vous fixe rendez-vous le mercredi à 22h30 avec Big Bang, Alexandre Balou. Bonjour Alexandre. Alors, merci. Nous allons parler du programme, mais j'aimerais une petite explication sur le titre de ce rendez-vous, le mercredi. Big Bang, pourquoi ? Eh bien, Big Bang, c'est très simple. C'est le nom donné par les savants à l'hypothèse qui est la plus couramment admise de nos jours pour expliquer la naissance de l'univers, c'est-à-dire pas seulement de la Terre, mais de l'univers tout entier. C'est en quelque sorte l'explosion initiale. C'est une formidable concentration d'énergie qui explose et dont le développement, la diversification donne naissance à tout ce qui fait notre monde, notre univers, l'espace, le temps aussi, car tout était confondu, le minéral, le végétal, la vie animale et par conséquent l'homme. Alors, ça ne va pas être trop ennuyeux, ce genre d'émission ? Eh bien, dit comme je viens de le dire, effectivement, on pourrait craindre que ce soit ennuyeux. Mais ça ne le sera pas pour deux raisons. D'abord, parce que nous pratiquerons dans Big Bang un style qui ne sera ni didactique, ni pédant, mais qui sera direct, simple, chaleureux. Et puis deuxièmement, et surtout, nous aurons des documents absolument extraordinaires à vous montrer. Et je crois, Christian, que le meilleur moyen de convaincre les téléspectateurs de la 5, c'est de leur parler de deux documents que j'ai visionnés cet après-midi. Oui. Le premier montre des images absolument extraordinaires de Diane Fossé. Diane Fossé, vous la connaissez tous, les téléspectateurs français la connaissent. On a beaucoup parlé d'elle en décembre, quand elle a été tuée au Rwanda, alors qu'elle se familiarisait depuis bientôt 15 à 20 ans avec ses gorilles. Et on verra comment Diane Fossé a pu approcher les gorilles, les apprivoiser et dialoguer avec eux en quelque sorte. Puis un autre document qui m'a beaucoup frappé aussi dans tous ceux que j'ai visionnés, c'est celui que j'appellerais l'autopsie du pharaon. Toutankhamon, sa momie, Toutankhamon mort à 18 ans, grâce au mariage de la caméra et de la radiographie, nous allons dans Big Bang faire un voyage à l'intérieur de la momie de Toutankhamon et ainsi pouvoir peut-être mieux comprendre les mystères de sa mort qui ne sont toujours pas éclaircis. Puis des documents, Christian, il y en a beaucoup d'autres, et je veux dire qu'ils sont tous extraordinaires. Alors rendez-vous dans Big Bang. Bien, alors rendez-vous tous les mercredis à 22h30 avec Alexandre Balou, et laissons parler les images maintenant sur cette présentation de Big Bang. Big Bang, c'est le rendez-vous hebdomadaire avec le monde fantastique de la science, tous les mercredis à 22h30 sur la 5, votre nouvel ami.
Bienvenue sur la 5. Je m'appelle Alexandre Balou et je vais tous les mercredis soirs vous présenter une émission qui s'appelle Big Bang, le spectacle de la vie. Le sous-titre vous en dit peut-être plus que le titre. Big Bang. Le spectacle continue sur la 5. Si je vous dis qu'elle est blonde, qu'elle danse divinement, qu'elle chante merveilleusement et que de Panne d'essence à One Shot Lover, elle a toujours su nous ravir, vous devez me répondre Sylvie Vartan. Sylvie, je considère réellement que vous avoir ce soir, c'est un événement. Ah non, mais c'est tout à fait normal. Moi, je suis ravie d'être là ce soir. C'est une soirée d'inauguration. Vous me direz, c'est normal pour un artiste de faire de la télévision, mais de voir naître la télévision, une nouvelle télévision, c'est tout à fait exceptionnel. Je suis ravie d'être là. Vous sentez comment l'atmosphère de cette soirée? Ah ben, je trouve que c'est très sympathique, c'est décontracté. Moi, j'ai vraiment envie de faire quelque chose pour vous. Hein, par exemple, je sais pas, je pourrais être la première speakerine de la 5. Là, on n'ose pas en espérer autant, mais si vous voulez, moi, je veux bien vous prendre au mot. Il n'y a aucun problème. Il me faudrait peut-être une chaise. Ah ben là, il suffit de demander. Voilà, il y a des chaises partout ici. Merci, monsieur. Formidable. Merci beaucoup. Très bien. Vous avez besoin de quoi encore? Un plan américain, hein, je crois. Plan américain. Est-ce qu'on peut faire un plan américain sur Sylvie, comme ça? Merci. Et puis, le texte. Ben, je ne sais peut-être. Pas. Moi, par exemple... Mesdames et messieurs, bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la 5. Vous êtes bienvenus sur la 5. Une soirée exceptionnelle. Une soirée aujourd'hui. Exceptionnelle aujourd'hui. Placée sous le signe du charme. De la beauté. De la beauté. Du sourire. Du sourire. Et ce sourire. Et ce sourire. C'est celui de Sylvie Vartan. Oh,
sais que je t'aime. Mais c'est impossible maintenant. Non, je ne crois plus à tes promesses. Voilà le jeudi. Alors, chez nous, à la 5, le jeudi est placé sous le signe de la chance avec des prix très importants et beaucoup, 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 beaucoup de charme. Mais, comme toujours, l'honneur d'ouvrir la grille des programmes revient au sémillant, au pétillant, au merveilleux C'est beau la vie avec Alain Gillot-Pétré. Grave nouvelle. On apprend de sources sûres qu'un tremblement de terre serait sur le point de se déclencher. Le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement où il se produira. C'est beau la vie quand même! L'important n'est pas de gagner, mais de participer. Et si Monsieur de Coubertin était avec nous, devinez où il serait, à Pentathlon. Une compétition sur l'intuition, l'intelligence, l'information et la culture, le tout mené par mon ami Roger Zabel. C'est très, très chic. Roger, qu'est-ce que c'est que Pentathlon? Eh bien, Pentathlon, comme son nom l'indique, c'est une émission de jeu qui comporte 5 épreuves. 5 épreuves qui ont un rapport direct avec l'actualité. C'est le spectacle de l'information. 5 épreuves à l'issue desquelles vous allez pouvoir gagner beaucoup d'argent, des voitures, des maisons et des tas d'autres choses. Et pour gagner à Pentathlon, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut bien suivre l'actualité, avoir de la chance, mais aussi un minimum de culture. Et votre premier rendez-vous avec Pentathlon, exceptionnellement en raison de la soirée de gala d'ouverture de la 5, c'est demain, vendredi, à 20h30, avec 3 invités exceptionnels. Jugez plutôt Evelyne Bouix, Alain Souchon et Lino Ventura. Et je serai accompagné d'Elisabeth Torchman et de José Luis Moreno. Merci, merci, soyez les bienvenus, bienvenue, merci pour tout. Oui, oui, rien de rien. Oui, je ne regrette rien. Salut. Tu peux dire quelque chose de plus normal? Yeah. To be or not to be, that's the bloody question, ladies and gentlemen, and in between. Tu peux parler français? Pourquoi faire? Parce que nous, on est dans une télévision française. Laquelle? La 5. Oh! C'est une télévision française? Oui, bien sûr. Et où c'est le spaghetti et la Coca-Cola? Oh, que fait-il? Je te dis qu'il n'y a pas de spaghetti et de Coca-Cola. La 5, c'est... C'est quoi? C'est le champagne, c'est des escargots, c'est du champagne, c'est... Les femmes. Oui. Oh. Alors, il faut parler français. D'accord. Être ou ne pas être. Ça sera la question dans notre télévision. Tiens, télévision et spaghetti. Rockefeller, je t'en prie, c'est la première fois qu'on fait cette soirée. Je t'en prie, il faut que tu comportes comme il faut. Oui, bien sûr, pourquoi pas. Qu'est-ce que c'est tout ce bordel que vous avez fait ici? Rockefeller, je t'en prie. De quoi? Je parle différemment. Je te le dis, c'est le gala de présentation... De quoi? De la 5 en France. Oh! Comment est-ce que je m'en fous de tout ça, Moreno? Et toi, qu'est-ce que tu fous là? Je fais partie du spectacle. Oh! Qui t'a pistonné ici? Mon habileté pour faire bouger quelques stupides marionnettes. Tu parles de ta sœur?
Non, je parle en général. Alors, tu as l'habileté à faire bouger quelques marionnettes, hein? Oui. Tu voudrais te dédiquer à la politique, mon cher. Non, parce que je suis complètement politique. Oh! Et c'est contagieux, ça. J'espère bien, parce qu'on est trop politisé, Rockefeller. Oui, bien sûr, tu as une profonde philosophie. Merci. Alors, messieurs, là, le gros gala de la 5. Oui, oui, oui. Et presque tous les plus grosses vedettes, oui, de l'actualité, oui, sont invités ce soir ici. Et alors toi? Je te dis que je suis artiste. Oh! Et à toi, qui t'a pistonné ici? Mon habileté à faire bouger quelques crétins ventriloques. Mais comme il est con, celui-là. Rockefeller, qui t'a pris à parler comme ça? Coluche. Et toi, tu ne me critiques pas que tu parles français comme une vache espagnole. C'est la dernière fois que tu viens ici. Je t'assure. Ah oui, tu m'assures? Oui, bien sûr. Et quel est ton boulot ici? Je te l'ai dit tout à l'heure, artiste. Spécialité? Ventriloque. Et qu'est-ce que c'est ça? Un ventriloque, c'est quelqu'un qui a la faculté de parler avec l'estomac. Dégueulasse. Et Berlusconi, c'est ça? Bien sûr. Salut pour la salle. Merci. Alors, je vous ferai ça, les ventriloques. Ton nom, c'est Rockefeller. C'est un nom américain? Oui. Tu es américain? Non, merci. Dites-moi une chose, qu'est-ce que tu attends de la 5? Rien. Un peu de travail. Au moins jusqu'à la sélection. Et toi, qu'est-ce que tu attends de la 5? Moi, j'attends d'entrer en communication avec un des pays qui ont fait l'histoire et la culture du monde. Oh! Tiens, mon Renaud adulateur. Rien d'autre. Tu m'as dit que tu attends ton travail? Oui. Jusqu'à la sélection? Oui. Et comme, si comme toi, tu es impossible ce soir, c'est le moment de dire bonsoir. À qui? Aux téléspectateurs. Pourquoi? Parce qu'on se retrouvera tous les jeudis à Pentathlon. Bien sûr qu'on se retrouvera tous les jeudis. Bien sûr. Il a fait faire de l'avenir de la 5. Moi non, mais en tout cas, Rockefeller. Oui. On est dans la même galère. Si je m'en veux, tu t'en vas... Non, parce que j'écoutais très attentivement tous les discours de M. Chirac et il n'a jamais rien dit contre le corbeau. Alors fais gaffe, mon Renaud, c'est toi qui dois faire attention. Je serai sain toujours ici à la 5. Pourquoi? Parce que la 5, c'est le divertissement, c'est la télévision européenne, c'est l'information, le sport, l'amusement et surtout la 5, c'est moi. Alors, maintenant que nous avons vu José Luis Moreno, nous allons voir les images de Pentathlon. Tous les jeudis soirs, je vous attends à 20h30 sur la 5.
firmament du cinéma, une star est tombée sur la 5, mesdames et messieurs, Ornella Muti. Bonsoir, on est là. Bonsoir, Christian. Je dois dire que quand on se trouve à côté d'une femme comme vous, on ne sait plus trop quoi dire. Mais vous ne manquez pas d'initiative, non? J'aimerais vous voir à ma place. Hein. Quoi? Ils veulent tous être à ma place. Merci. Nous sommes très surpris par votre français. Moi aussi. J'ai une question indiscrète à vous poser, on est là. Ce n'est pas trop indiscret. Voilà, vous avez tourné avec les plus grandes stars françaises, Alain Delon, Gérard Depardieu. Quel est celui des deux qui embrasse le mieux? Mais c'est moi qui embrasse le mieux. Mais j'aurais tout donné pour être à leur place. Oui? Tout. Mais ça, c'est pas un problème. À la 5, tout est possible. Un peu d'atmosphère romantique, de la musique. Je ne peux pas vivre sans toi. Tu me rends folle. Je t'aime. La 5. Je crois que cette façon d'embrasser va être très très à la mode. Mesdames et messieurs, Ornella Muti. Vous savez, un spectacle, c'est un peu comme un puzzle. C'est fait de différents morceaux. Il suffit de les rassembler pour que ça fasse une très, très belle image. Et pour continuer à fabriquer cette très belle image de la 5, nous avons maintenant une pièce à rajouter au puzzle, une pièce très importante, une pièce très, très belle, qui n'est autre que Mireille Mathieu. Qu'est-ce que c'est, Mireille? J'ai apporté un cadeau pour un nouveau-né, mais je crois que j'ai pas fait le bon choix. Mais pourquoi? C'est très mignon, ça. Oui, assez mignon, c'est vrai. Mais je croyais que la 5 était une chaîne naissante. Oui. Et je me suis aperçue qu'elle était adulte et qu'elle allait devenir une très grande chaîne. Alors j'ai choisi un présent plus approprié. Ah. Et après cette courte page publicitaire, nous nous retrouvons devant notre grille pour voir ce que nous réserve le vendredi. Nous avons trouvé une formule irréfutable. Un peu d'intrigue, beaucoup de mystère et une pointe de vitesse, celle de Alain Gillot-Pétré et de ses sondages. C'est beau la vie, à 19h30. Flash spécial, c'est beau la vie. Nous apprenons avec une joie non dissimulée le lancement réussi du satellite de télécommunication mondiale Silvio Ier. Il a en effet été mis sur orbite ce matin avec succès. Vous pourrez ainsi demain regarder nos programmes dans toute l'Europe avec en prime les prévisions météorologiques. Rectification, contentez-vous d'écouter la radio. Ce sera sans aucun doute la plus grande surprise de cette soirée. Nous ne l'attendions pas, mais il a tenu à venir. Mesdames, messieurs, je vous demande de faire une ovation à monsieur Jacques Chirac. Compagnons, ce n'est pas en tant que maire de Paris ni chef du RPR que je me présente ce soir, mais en tant qu'imitateur de Patrick Sébastien. J'aimerais ce soir souhaiter bienvenue à la 5, et pour ça j'ai préparé un discours que je vais vous lire dans plusieurs langues, puisque la chaîne aura peut-être une vocation européenne. Et j'ai donc fait traduire ce discours par des employés de la mairie de Paris, c'est-à-dire des Corréziens. C'est un anglais de Brive-la-Gaillarde que vous allez entendre. D'abord en anglais, mesdames
Mesdemoiselles, messieurs, lady, Mourouzi, gentlemen, pour moi, être sur la 5, for me to be on the 5, c'est une satisfaction. I can get no. Je ne suis pas le roi de France, évidemment, I am not God save the Queen, mais je suis en quelque sorte son dauphin, I am his flipper. J'aimerais m'exprimer également en espagnol. Mesdames et messieurs, señores y señoritas, les femmes espagnoles sont de belles plantes, esta señorita Zara. En arabe, j'aimerais vous dire qu'en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des bidets. En italien, j'aimerais vous dire que je suis content parce qu'il fait chaud en Italie, et tutto calcio in Italia, alors qu'on gèle à Paris, Angelo Parisi. J'aimerais reprendre mon anglais maintenant pour vous dire que je suis votre ami Jacques Chirac, I am your jackpot, et vous parlez de un petit peu de ma vie sexuelle, puisque j'ai vu pas mal de jeunes filles très jolies dans les coulisses. Comme je disais récemment à Madame Nancy Reagan, when I am speaking with Madame Strasbourg Reagan, je disais bien sûr, je ne suis pas un playboy, I am not lui, mais je peux faire l'amour 4 fois, I can make love 2 times. Non, 4 c'est fort, pardon. C'est même très, très fort. C'est très, très fort. Je suis épuisé. Cependant, je n'ai pas eu encore la chance de tomber sur une nymphomane. Par contre, j'ai un ami qui n'est pas loin et qui, lui, a eu la chance de tomber sur une nymphomane. Ça l'a épuisé car c'est un poète. Il s'appelle Francis Cabrel. C'est vrai. Ça fait 13 fois, on a déjà fait tous les tapis, la baignoire et la table de nuit, et ça continue encore et encore, c'est que le début, d'accord, d'accord, et d'accord. Hier déjà elle m'a démoli, 2 fois de suite dans le taxi, la concierge ça lui fait plus peur, de nous trouver nus dans l'ascenseur, et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Oh, oh, qu'est-ce qui m'arrive là? Oh, hé hey. Quelque chose vient de tomber sur les laves de ton plancher. Mon Dieu, dites-moi ce qui se passe. Il fallait bien qu'un jour ça se casse. Y a plus rien de bas, plus rien. Mais elle me dit ne t'appelez pas trop mon âme. J'ai prévu l'accident, j'ai la recharge. Recommençons, j'ai le plaisir qui me démarre. Et me voilà à nouveau cloué sur le sol. Au secours maman, mais c'est une folle. Et ça fait marrer cette conne qui rigole. Cette conne qui rigole. Et ouais, on n'est pas sorti de l'auberge. Et ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Ça continue encore et encore. C'est que le début, d'accord, d'accord. Et maintenant, l'Africain. L'Africain, ça n'est pas le titre de votre prochain film sur la 5, c'est le surnom donné sur les pistes du Paris-Dakar à celui qui vous emmènera tous les vendredis soirs à 22h30 à plus de 200 à l'heure dans le monde des sports mécaniques, Hubert Auriol. Salut Hubert. Alors Hubert, Grand Prix. Qu'est-ce que ça va être exactement? Grand Prix, ça va être, je pense, une émission fantastique pour tous les amateurs de sports mécaniques. Avec bien sûr la Formule 1, la Formule Rennes, l'endurance, les rallyes et surtout et beaucoup la moto bien sûr, avec les grands prix de vitesse, le cross, sans oublier un peu d'offshore. Enfin, je crois qu'on peut dire que ça va être tout ce qui a un moteur, de l'essence et qui fait du spectacle. Un grand spectacle donc avec des sports mécaniques le vendredi soir à 22h30. Grand Prix présenté par Hubert Auriol, c'est notre futur rendez-vous.
Voilà, ça y est, nous sommes arrivés au samedi. Et le samedi, sur la 5, le mot de passe, c'est 5 sur 5. Et celui qui va vous révéler tous les secrets de cette émission et qui vous la présentera, bien sûr, possède déjà tous les atouts pour représenter les jeunes. C'est Antoine Verglas. Bonsoir, Antoine. Alors, une première question comme ça. Quelles sont tes impressions pour cette grande première de la 5? Ça va? Tu vas rire, j'allais te poser la même question. Eh bien, je pense que tout se passe bien, pour vous aussi, d'ailleurs. Oui, oui, ça va. Alors, Antoine, cette émission, 5 sur 5, donc le samedi à 19h30, tu vas nous raconter un petit peu de quoi il s'agit. Et puis, surtout, j'aimerais que tu te présentes un petit peu. Qui est Antoine Verglas? J'ai 24 ans, je suis passionné de musique, et je vais donc animer une émission, comme tu l'as dit, qui s'appelle 5 sur 5. Cette émission sera très sympa, elle sera différente de celle que vous pouvez voir actuellement. Il y aura des invités, des reportages, des infos, des news et aussi nos coups de cœur, nos 5 étoiles. Alors, tu n'es pas venu les mains vides, un petit cadeau ou un léger survol de l'émission? Tout à fait. Plus qu'un survol, c'est même un gros cadeau. C'est un groupe que j'aime beaucoup. Elles avaient fait un tabac il y a 2 ans avec Docteur Mabuse. Mmh. Elles reviennent très très fort depuis quelques mois avec Machinerie, c'est Propaganda. Mais avant de regarder Propaganda, n'oubliez pas, samedi prochain, 5 sur 5. 19h30 sur la 5. 5. Bravo, voilà. We'll be right back.
Bravo à Propaganda, et maintenant, vous le savez, vous avez rendez-vous tous les samedis soirs à 19h30 avec Antoine Verglas pour 5 sur 5, l'émission pour les jeunes. Mais le samedi soir, c'est également le jour du grand show du samedi soir à 20h30. Ce sera Chercher la femme, et la femme, ne la cherchez plus, la voilà, c'est Amanda Lear. Voilà. J'étais derrière. Je voulais pas te cacher. Roger, darling, oh, je suis contente d'être arrivée. Amanda, je suis furieux, je trouve que tu en as fait trop. On t'attendait au début de l'émission, on t'a attendu très longtemps, t'arrives. C'est pas ma faute. Voilà, je non, joue c'est les stars. Pas ma faute. C'est et pas bonjour ma faute. La scène. Non, je joue pas les stars, c'est que le Concorde était plein, je suis venue en wagon lit, ça m'a pris très longtemps, j'ai fait des rencontres d'ailleurs. Et j'arrive que maintenant, un petit, voilà. Et je ne suis pas une star, je suis juste une femme. D'ailleurs, il fallait une femme dans cette équipe, puisque, ouais. Jusqu'à présent, vraiment. Enfin, c'est pas très gentil pour Elisabeth Torgeman qui présente qui? Pentathlon avec moi. Elisabeth Torgeman. C'est une femme? Oui. Oui, c'est une femme charmante, jolie. Et... Chacun sa croix. Moi, on m'a donné Christian Morin. Tu diras, Christian Morin, je sais ce que tu vas dire. Hein, c'est dramatique. Enfin, Christian est un garçon charmant, bien élevé, bon professionnel. Je ne vois pas pourquoi tu dis... Ah, bah, tu sais pas ce qu'il dit sur toi. Oh, ah bon? Il est faux. Ah bon? Oh, tu peux pas savoir. Il dit des horreurs sur tout le monde. Et puis alors, il est toujours en retard, c'est pas difficile. Mm-hmm. Il veut toujours te prendre la place. Ouais. C'est terrible. Ouais. Tu peux pas savoir. Travailler. Il tire la couverture. Oh, mais il la tire, il se couvre complètement. Avec. Ah, moi, je croyais pas. Terrible. Alors, on essaye de monter ce spectacle ensemble. Moi, je le fais de mon mieux, modestement. Et il est là, il se pousse. Non, c'est terrible. J'aurais tellement aimé travailler avec toi, tu vois, parce que tu as un joli profil, tu sais. Mm-hmm. Je sais. Enfin, Christian, qu'est-ce que tu veux? On fait ce qu'on peut. Oui. Pardon. Oh, ah, Christian! J'étais en train de discuter avec Antoine Verglas. Ah, bah, justement, Christian, Amanda parlait de toi. Ah, c'est gentil. Pourquoi tu m'as laissé? Pourquoi tu m'as laissé? Très bien, Roger. Roger est un ami. Écoute, tu ne te sens pas seul. Enfin, puis tu es une professionnelle. Pas seul. Mais c'est toi que je voulais. Enfin. C'est gentil, merci. Comment? Non, vraiment, c'est toi mon partenaire. C'est gentil. Vous avez parlé un petit peu de l'émission du rendez-vous du samedi? Non, toujours pas, toujours pas. Alors, c'est à 20h30, c'est une émission dont on cherche la femme, ça nous fait plaisir. C'est un petit peu ennuyeux pour Amanda, effectivement. Mais enfin, on a des hommes invités, puisque la première émission, ça allons recevoir Serge Gainsbourg, Eddie Mitchell, et puis, Amanda, Thierry Lhermitte. Bon. Ah, il est beau. Alors, Amanda, on explique un petit peu la mécanique du jeu, car il y a un jeu avec à la clé un superbe collier Cartier. Tiens-toi bien, Roger, tenez-vous bien, d'une valeur de 100 000 francs, c'est-à-dire 10 millions anciens. Bravo. C'est pas mal. Et alors, il y a des épreuves de façon à éliminer différentes candidates et elles doivent, les unes et les autres, briller par leur talent, leur action, etc. Et c'est le public qui choisit. C'est voilà. Le public voilà. Qui désigne, chaque semaine, en fait, il y aura la femme idéale. La femme idéale sur la scène. Et Dieu sait que la femme idéale, c'est dur à trouver, tu en sais quelque oui. chose. Oui, et alors on passe... Ça va être contente, la mienne, je te remercie. On passe un... N'écoute pas, chérie, n'écoute pas. Elle va être très contente. Et nous passons, je tiens à le préciser, si vous n'en aviez déjà parlé, on s'entend très très bien avec Amanda. Oui, mais bien sûr, je ne me laisse plus jamais seule avec des Italiens mais comme non, ça. Non, je... Merci. Bon, alors... On le regarde, ce show? Oui, c'est le samedi soir. Ah ben, le samedi soir, il n'est même pas question de regarder ce qu'il y a à l'autre côté, parce que nous sommes là, hein, Christian et moi, toutes les belles concurrentes, le collier, Thierry Lhermitte de temps en temps. Donc, le samedi soir, à 20h30, Cherchez la femme avec Amanda Lear et Christian Morin.
c'était le fantastique show du samedi soir, Chercher la femme. Maintenant, je vais vous proposer une première sur la 5, la première grande rencontre sportive entre deux grands champions, la 5 d'un côté et de l'autre, Michel Platini. C'est pas mal l'accueil sur la 5, hein? C'est agréable. Bien. C'est sympathique, oui. Ça me change un peu de l'entrée du Parc des Princes avec, avec Fernandez, Batz, Giresse. Oui, ça me change beaucoup, disons. Oui, mais enfin, je crois qu'il y a pas mal de gens qui rêveraient de pouvoir un jour entrer au Parc des Princes à vos côtés. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, de cette cinquième chaîne? Cinquième chaîne, ben quoi, regarde, si on mélange un peu avec le monde du football, je pense que s'il y avait une Coupe du Monde, vous seriez dans les cinq premiers. Les cinq premiers? Ah oui. Moi, je pense personnellement que tant qu'à faire, on gagnerait la Coupe du Monde et ça ferait un petit peu comme l'Italie en Espagne. Ou plutôt la France, le championnat d'Europe, disons. Restons français. Ah, oui, oui, pourquoi pas. Michel, vous savez danser, vous savez faire quelque oui, chose oui. Danser, oui. Chanter. Chanter, je chante. Chanter aussi. Mais je chante, que je danse. Vous voulez danser maintenant ou vous avez préparé quelque chose? Ben, on peut essayer. On peut essayer. Non, je vais vous proposer un jeu. Un jeu, d'accord. Oui. Je vais vous donner un nom et vous devrez me répondre le titre d'une émission de la 5, ouais. De la grille de la 5. En fin de compte, je fais la speakerine, quoi. Voilà, vous êtes la voilà. Première speakerine de la 5. Merci. Bon, je vous donne le premier nom, d'accord. Maradona, par exemple. Alors là, il y a les programmes. Hein. Alors Maradona, 5 sur 5. 5 sur 5. Ouais. Et pourquoi, au hasard? Parce que devant le but, il fait tout ce qu'il veut, il est fort, il est bon. Il ouais, ça c'est pas mal. Voilà. Et si je vous dis Barcelone? Barcelone, Flamingo Road. Flamingo. Oui, parce que Flamingo, Barcelone, Flamingo. Flamingo. ouais. Parce que vous allez essayer de les faire danser. Ouais, bouger un peu, oui. Ouais, au prochain tour de la Coupe d'Europe. Voilà. Et voilà, très bien. J'enchaîne avec Henri Michel. Henri Michel, l'inspecteur d'Eric. Ah oui, et là pourquoi? Moi, j'aurais pu dire Hercule Poirot. Oui, oui, non, mais pourquoi d'Eric? D'Eric, parce que il va résoudre tous nos problèmes en Coupe du Monde. Ah, bah, ça, c'est une bonne idée. Même s'il joue pas. Je vais terminer. Enfin, en Coupe du Monde et après, j'espère. Parce que. Bien sûr, soit pas bon en Coupe du Monde. Il faut y penser. Ils peuvent en mettre un autre. Hein. On termine, tiens, précisément avec l'équipe de France au Mexique. L'équipe de France au Mexique, superstar du lundi, allez. Ah, c'est gentil, Michel. Ouais. Alors, pour la première du 5, je vous ai pris, je vous ai amené un petit cadeau. Ah, oh, c'est gentil. Quelle gentillesse, merci Michel. Voilà. Ah, nous sommes vraiment très touchés, c'est un maillot c'est de l'équipe de France. C'est un beau numéro 10. C'est un numéro 10. Oh, c'est formidable, le maillot de Michel Platini. Ah ben non, là, c'est... Hey. Ça, hey. Je suis désolé, c'est pas votre maillot, ça. Non? Ah non, ça c'est... Ça appartient soit à Batiston, soit à Bossis, mais pas à Platini, enfin à mon avis. Hein. Bah, il paraît que sur la 5, on multiplie tout par deux. Oh, bravo, merci Michel, merci beaucoup. C'était ce soir pour la première fois sur la 5, Michel Platini. Merci à Michel Platini pour ce slogan qui est également valable pour le sport. Et le sport sur la 5, ce sera tous les samedis soirs à 22h30, le grand show du sport record. Et le grand show du sport record sera présenté par Guillaume Durand. Guillaume, il y a une question que nous nous posons oui. Tous. Le grand show du sport, d'accord, mais record, qu'est-ce que ça veut dire? Je crois qu'il faut prendre un seul exemple, qui est l'exemple de la première émission que vous verrez samedi à 22h30 sur la 5. Ce sera probablement un des plus grands meetings d'athlétisme du monde. Et on va vous donner, par exemple, les participants d'un concours qu'on connaît bien en France, qui est la perche. Vous avez Quinon, français, champion olympique, Sergei Bubka, soviétique, recordman du monde, 6 mètres à Colombes, et les deux Américains qui viennent de battre récemment le record du monde en salle, à savoir Billy Olson et Joe Fryall. Je crois qu'en soi, c'est le programme. Ce sera pareil dans absolument toutes les disciplines. Il y aura les meilleurs du monde, les soviétiques. Enfin bref, un show fantastique, des images fantastiques. Et un public américain qui est un public fantastique, puisque ce sont des gens qui applaudissent continuellement. Enfin, ce n'est pas Charletti, 1500 personnes. Il y a 20 000 personnes dans la salle et les gens hurlent. Il n'y aura pas que de l'athlétisme, il y aura de toutes les disciplines. Alors, vous n'allez en négliger aucune. Ah non, tout au long de l'année, il y aura du basket, on jouera au foot, il y aura du golf, il y aura du tennis. Enfin, je pense que le programme sera complet. Il y aura du sport
je dirais bistrot, il y aura du sport un peu snob, il y aura toutes les formes de sport, et je l'espère, surtout des surprises et des événements. Alors, je suis persuadé que ce sera bien, d'autant plus que Guillaume Durand, je peux vous le dire maintenant, est un excellent joueur de tennis, puisqu'il a été deux fois finaliste au championnat de France des journalistes, et je crois que ça mérite des applaudissements. Nous allons accueillir maintenant un homme qui est probablement le plus grand danseur de tous les temps, un homme qui a le pouvoir de rendre faciles les choses les plus difficiles. Mesdames et messieurs, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous présente maintenant Rudolf Nureyev. Thank you.
est le plus classieux de nos auteurs-compositeurs, Serge Gainsbourg. Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment il vécu? Comment il est mort? Ça vous a fait un, vous en demandez encore un. Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà, Clyde a une petite amie. Elle est belle et son prénom c'est Bonnie. À eux deux, ils forment le gang Marrow. Leur nom, Bonnie Parker et Clyde Marrow. Moi, lorsque j'ai connu Clyde autrefois, c'était un gars loyal, honnête et droit. Il faut croire que c'est la société qui m'a définitivement abîmé. Qu'on n'a pas écrit sur elle et moi. On prétend que nous tuons de sang-froid. C'est pas drôle, mais on est bien obligé de faire taire celui qui se met à gueuler. Chaque fois qu'un policeman se fait buter, qu'un garage ou une banque se fait braquer, pour la police, ça ne fait pas de mystère. C'est signé Clyde Barrow et Bonnie Parker. Chaque fois qu'on essaie de se ranger, de s'installer tranquille dans un meublé. Allez, trois jours, voilà le tac-tac-tac. Des mitraillettes qui reviennent à l'attaque. Ces quatre, nous tomberons ensemble. Moi, je m'en fous, c'est pour Bonnie que je tremble. Quelle importance qu'elle me fasse la peau. Moi, Bonnie, je tremble pour Clyde Barrow. De toute façon, ils ne pouvaient plus s'en sortir. La seule solution, c'était mourir. Et plus d'un les a suivis en enfer. Quand sont morts Barrow et Bonnie Parker.
Ta présence sur la 5 ce soir est un grand honneur. Ces musiques ont bercé le monde entier. Michel Legrand. Bonsoir, Roger. Bonsoir, Michel. Vous nous avez apporté deux cadeaux, paraît-il. Vous êtes bien renseigné. Oui. C'est gentil. Non, voilà, j'ai écrit de la musique de la chaîne, donc qui sont l'ouverture et la fermeture de la 5. Et je proposerai tous les dimanches soirs à 22h30 une émission de musique symphonique, de musique classique, avec les plus prestigieux orchestres et chefs d'orchestre du monde. Alors, le titre de l'émission, La 5 en concert, oui. Et le premier rendez-vous, ce sera quoi? Eh bien, dimanche, le premier concert sera dirigé par un grand chef italien qui s'appelle Riccardo Muti. Il y aura l'orchestre de symphonique philharmonique de la Scala de Milan, Scala de Milan, endroit prestigieux. Et Muti dirigera une œuvre de Rossini, une sonate en ré majeur et une symphonie de Haydn en do majeur. Vous voyez, très beau programme. La 5 en concert, tous les dimanches soirs à 22h30 avec Michel Legrand. Nicolas De Angelis, les jours heureux et la soirée heureuse sur la 5, une première soirée qui touche à sa fin, pas complètement, ce qui suit est très très bien aussi. Et après les douces mélodies de Richard Klederman, le rock agressif des Spandau Ballet.
Après ce dernier invité, je crois qu'on peut dire voilà la 5. Alors merci à tous. Merci à tous les amis qui nous ont soutenus jusqu'à maintenant. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à tous les invités qui nous ont honorés de leur présence. Et puis merci à vous tous qui nous avez suivis jusqu'à maintenant. Voilà la 5. Les ballets de la 5. L'orchestre de la 5. Et l'équipe de la 5. Nous espérons vous avoir fait passer une très bonne soirée et nous vous en promettons encore de meilleures. Alors le rendez-vous avec la 5, il est pour demain, pour après-demain et pour toujours. La 5 est née, vive la 5, une chaîne nouvelle, une chaîne amie, pour demain et pour toujours. Et vive la 5, 5. Vive la 5. Vive la 5. Vive la 5.